Bonjour YouTube. On va aider Lucas parce qu'il me casse les noix. Mais comment elle peut être bloquée? Le froid, je te dis. C'est presque pire que la rouille. Elle me casse les je noix. Je crois que Roderick travaille dans la cour. Hop là, ça je prends. Ça je prends, on a plein de crafting à faire. La serrure est encore gelée. Oui. L'hiver est rude cette année. Alors cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... Le coffre? D'accord. Oh, Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Mais si, il sort ses igoulettes. Tu verras, c'est rigolo dans le froid. Toi aussi, tu te sens seul, hein. Allez, courage. Un jour de plus. Oui. Perdu sa mère, son frère, son... Son chien et son père en l'espace de 2 mois. Je pense que Amicia... elle a le droit de déprimer un petit peu. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Hugo qui aurait dû te trouver. Ah, toujours cette petite interaction avec les fleurs. Alors est-ce que on peut enfin améliorer des choses? Ah, plus qu'un! Plus qu'un! Plus qu'un et on pourra enfin améliorer sans outils. Sachant que je... En fait, si je veux l'améliorer sans outils, c'est après pour pouvoir améliorer sans vergogne tout le reste, sans me préoccuper de est-ce que j'ai les composants, tout ça, quoi. Ces objets, je me souviens de chaque endroit, chaque moment. Faut que je trouve tout le monde. La soupe. C'était le tour de qui? Mélie? Non, ça sent pas assez le poivre. Non, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Faut que ça soit un bleu. Faut que j'arrête de regarder. Faut que ça soit un bleu. Pas un bleu comme ça. Ça, c'est les outils. Ça, on n'a pas besoin. Maintenant, on peut l'améliorer en permanence. On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. C'est ça. C'est ça, je l'ai. Je l'ai, incroyable du cul. Oui. Enfin! On peut maintenant tout améliorer sans outils. Enfin, pas mal. Oui. Pas mal du tout. Parfait, donc j'ai tout côté équipement, maintenant on va pouvoir craquer notre slip sur n'importe quelle amélioration à tout moment. Alors, faut que je trouve Mélie. Mélie Mélo, ah. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. C'est vrai que c'est peut-être pas la bonne saison. On est comment au niveau inventaire là? On peut pas fabriquer les pierres, mais... C'est vrai qu'on va pouvoir aussi, maintenant, se faire plaisir sur... Waouh! Ah oui, j'en avais... Voilà, j'en avais consommé, hein, de l'allume-feu. En même temps, contre les rats géants Hein? Oui. Bon, alors, on a vu que c'était pas par là, et que les deux portes menaient au même endroit, donc... C'est par ici. Je pouvais monter sur le... D'accord. Bon. Là, logiquement, c'est plutôt les quartiers de Lucas. Alchimie, tout ça. Donc on va pas hésiter Lucas à piller. Lucas a encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler l'époque où il vivait chez Laurentius. Il faut que Lucas arrête de récupérer des livres. On va finir par en avoir partout. On va le transformer en bibliothèque. Lucas, quand il avait cru arriver aux grandes œuvres. Et Hugo... Bravo Lucas, t'es un sorcier. Tu sais ce que ça veut dire love? Bah oui. Attention, hein, quand je dis proche de la fin, il doit nous rester quoi, 2 heures de gameplay? On a encore un petit peu de temps. Et on va savourer ces moments.
Non mais quel ignoble, hein, Lucas, à collectionner des livres, quelle horreur. Ah! Non, bah non, c'était pas cette définition-là, du coup. C'est moi qui ai pas compris la question. Excusez-moi. Si vous savez où est Hugo, dites-le-moi par pitié. Ou veillez sur lui, si vous le pouvez. Alors, je les ai cherchés, je les ai pas trouvés, ils sont où? Voilà, la tenue d'Amicia qui ne s'est pas changée depuis des mois. Si, elle s'est rajoutée une petite peau de bait, histoire d'avoir un peu plus chaud. Bon, alors ils sont où? Ah bah oui, par là, descendons par le centre. Et moi, je veux rester ici. Voilà. Ah ouais? Et si... Et si toi, t'arrêtais de vivre comme un animal? Fin de conversation. Oh. Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes! Je veux nous garder en vie, c'est tout! Comme on a toujours fait! Eh... La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. C'est vraiment une conversation de frères et sœurs, ça. Hein. Bah, allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Je dois l'allumer ou il va se la taper? Alors, visiblement, c'est à moi de le faire. C'est bon? J'ai gagné? Ah non, il veut pas me suivre. Pourquoi? Alors, ça va? Je me sens vieille. Ah, t'es pas mal pour une vieille. Ah, tu sais, laissez-le. Je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah... Pardon, excusez-moi, je regardais un petit peu le décor autour, sauf que si je fais ça, ça... C'est bon. Parce que je me doutais qu'il y avait des loots. Ah, qu'est-ce qui utilise des cordes? Ça utilise des cordes, je peux. Ça utilise des cordes, 9 d'ailleurs. Je peux, je fais, je sais plus ce que ça représente, ça, mais... Ça va me simplifier la vie. Voilà, maintenant on va fabriquer en fonction de ce qu'on trouve. Voilà, et bien sûr, il nous donne des composants pour être sûr de pouvoir allumer les brasiers. Ou les braseros. Braser. Oula. Tout va bien, Rodrick? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher? Tu vas marcher, je te dis. Hé, hey, tu calmes. Si tu casses tout. Oh. Oh, ben voilà, ça marche. Maintenant les brasiers resteront à leur place. La méthode Rodrick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Bon, et si j'allais tous les allumer, histoire qu'on soit peinard. Hein? Oui, alors comme ça, ça fait un petit peu hooligan. Hop. On ramasse tout de manière à pouvoir faire un petit peu plus. On peut pas rentrer dans cette tour? Oui, j'ai pas oublié. J'arrive. Ils peuvent pas se passer de moi, décidément. Hop là. On récupère les composants. Voilà, c'est bon, j'ai tout allumé, comme ça il y aura plus à...
Il n'y aura plus à descendre, on peut rester là-haut et faire mumuse. Bon, tu prends celui-là, je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. On peut discuter ? Ouais. Hey, est-ce que ça va ? Ben ouais, pourquoi ? C'était... intense. Ah, oh, les coups de pied ! Mon père travaillait comme ça. Il n'y a plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il... Bref. Et toi, ça va ? Oh, ça va, ça va. Il me manque aussi. Tu sais quoi ? Si on étendait encore le champ de recherche ? Rodrigue, ça sert plus à rien. Ça fait déjà 30 jours. Allons préparer la fosse pour la nuit, d'accord ? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça ? Ah, la ferme. Oh, Amicia, permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver, tu pues. Je sais plus, faut que j'aille dans quel sens. Tu fais. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourrait escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Ah, d'accord. J'allume cela. Je l'ai déjà fait. Il voulait aider, mais c'est raté. Ah, est-ce qu'on peut avoir des... Il n'y a qu'un moyen, il y a deux meufs et deux mecs. Ah non, il y a trois mecs. Trois mecs, deux filles. Mais il y en a deux qui sont frères et sœurs. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, mais ça laisse pas des masses de choix. Hein. Allez hop, ça c'est fait. Donc Arthur... Dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Non, 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 reprends pas l'échelle. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Voilà, remonte. Remonte, bébiche. Pardon, je devrais pas dire bébiche. Pas très poli, quoi. Pour Amicia, héroïne. Oh, il y a un atelier là. Comme quoi, j'ai pas tout exploré. Je suis en train de me dire, est-ce que je devrais pas... Voilà. On va finir d'explorer parce que j'ai un petit peu peur que si je lock le truc jusqu'au bout, je sais pas, ça lance une cinématique ou je sais pas, une attaque de château, le truc d'après, et que je me dise, merde, j'ai pas tout loot. J'ai pas tout exploré, j'ai pas eu le temps de tout faire. Non mais les outils, ça me sert à rien, arrêtez. Non, bon, ça c'est l'atelier, mais... Allez, là, je peux pas. Oh. Et là, je peux ? Oui. Hop là. Voilà, c'est bon pour moi. Voilà, je vous avais dit, ça déclenche les cinématiques. Des tremblements, rien que ça. Que est ? What ? Ils sont trop nombreux. Arthur ! Amicia ! Ouais ! Rentrez, vite ! Comment la fosse a-t-elle pu déborder ? C'est jamais arrivé avant ! Merde, il n'y en a jamais eu autant. L'échelle de l'enceinte rouge. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier. Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté. Non, non, ça. Je peux
C'est un petit peu la merde. Là, ça valait le coup de l'emmener à l'autre bout, là. Oui, oui. Oui, s'il te plaît. D'accord, je compte sur toi. Il y a un brasier allumé ici. Mets-toi à l'abri. C'est parti. Je te ramène vers l'échelle. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je te rapproche l'autre. Fais vite, s'il te plaît. Ok, bah le lieu est plus sûr, hein. One after another. Bip bip. J'y croyais plus. Ça va? Non plus. Merci. À toi maintenant. Le brasier de ton côté. Je te l'amène. Le brasier de mon côté? Quoi? Où? Où est-ce qu'il va? Tu t'en sors? Ouais. Je préfère être ici que en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend? J'en sais rien, moi. On aurait dit une sorte d'attaque. Tu te fous de moi? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent. Merde, je savais bien qu'on aurait dû se tirer. J'ai vu ça qu'une fois. Amicia, je crois que c'est pour toi. Je m'en occupe. Je me sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Oui, pardon, faut que j'arrête de le regarder, il faut que je... Ouais, et après... Mais non, je suis con, fallait que j'aille dans l'autre sens. Allô, madame Chambier. Excusez-moi, je vous emmenais du mauvais côté. M'envoyez pas si vous mourrez. Et qui les cons? Vous avez vu, j'ai visé de viser le mur, c'est important. Plus grand gamer, vous l'apprendrez ça. On arrive encore, ils veulent vraiment me bouffer. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Il est où l'autre? Là. Je vais tomber. Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je wow, ils courent vite, hein. Risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Mais t'es magicien, peut-être. Est-ce que ça va? Non, c'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais... le château est fait pour résister Lucas, à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est c'est pas quoi, une simple alors invasion. Wow.
Wow. Par ici. Non. Vite. L'Inquisition contrôle les rats. Hugo ? Va et fais ce que tu dois faire. Hugo. Viens. What ? Hugo ? C'était lui. Qu'est-ce que tu fous avec cette dame ? Amicia, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les rats ! Contrôle, oui, voilà. Avec la macula. On va sortir. Pas de panique, le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais ah bon ? Non, il est foutu ton château. Les rats passent les défenses comme dans du beurre. Attends, je dois parler à Hugo, je peux... Paul, on doit se tirer. Il a raison, Amicia. Allez, passez ! Non ! Au travail. Comment Hugo. Ça, au travail? Hugo. Tu l'as. Ou je tuerai ta mère sous tes yeux. Hugo, c'est moi, Amicia, ta sœur. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Oh, non. Allez, gamin. Non mais je. Rien pour toi. Moi je veux prendre ma fronde et j'ai du truc à lui envoyer dans la tronche. Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Assez. Je vais l'offrir à tes rats. What? Ordure. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui. Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la macula. Quoi ? Non ! Hugo est le seul porteur ! Était ! Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Arthur, maintenant ! Yeah ! Ça, c'est bien joué. On l'a eu, ce sale chien. Je serais toi, je m'en assurerais quand même. Amicia. Hugo. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je peux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo. Avec ce côté tellement mise en scène où les rats tournent autour Hugo. De lui. Oh, l'image est belle. Tu l'as fait, Amicia. Tu es passée. Oh oh. Non. Oh oh. Non. Non. Vous ne me servez plus à rien. Merde, c'était pas ça pour éteindre le feu.
Ah bah oui, non mais je me suis gouré dans les pouvoirs. Bonjour. Je me suis gouré dans les pouvoirs. Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Ah oui. Oui. Il ne doit pas. Tiens. Regardez qui voilà. Tiens d'ici, Amicia. Ok. Donc. Mais ils ont perdu feu. En fait, faut éteindre, mais. Non mais quel nul. Non mais je viens de voir qu'en fait on avait débloqué le pouvoir d'Hugo, mais il doit quand même pas nous voir. Vous êtes jeune, je vous tuerai vite. Ce n'est pas un luxe que j'accorde facilement. Il ne doit pas nous voir. On doit partir d'ici, Amicia. Ma lame est encore chaude. Profitez-en. Ils sont là, mais ils ont l'air du feu. Alors on va l'éteindre. On a besoin d'eux. Mais oui, mais non, là, je... Est-ce que je peux... Non, ils sont bons, là. Touchant. À mon tour, maintenant. Ah oui, d'accord. Non, mais je peux pas, là. Oui, c'est faux. Où êtes-vous passé, hein? J'ai le doute. Mais non, mais... Enfin. Mais c'est abusé, ça. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce jouet? Vous savez quoi, j'éteins tout. Ah bah voilà. Rien. Ils bougent vite. Comme des cafards. Oh, il est où? Il est où qu'on s'amuse un peu? Vous voilà. Eh bien. Tiens, tiens. Regardez qui voilà. Voilà. Petit bâtard. Comment il peut faire ça? Tu dois trahir Amicia. Très bien. On va jouer d'égal à égal. Lyra, Amicia, il les a tous tués. On va en libérer d'autres. Je vous avais dit que je... Ok, là il nous a trouvé, donc faut courir. Ah non! Gauche, droite, tu vas par où? Faut pas que tu vois, monsieur. Là c'est bon, il a dû nous perdre. Ils sont forcément ici. Pas facile de vivre dans l'ombre du porteur, hein, Amicia? Je peux te libérer de ça. Qu'est-ce que vous croyez faire? Vous n'êtes rien. Ah non, mais ça par contre c'est dégueulasse ça. Petit bâtard. Comment je fais pour trouver là? Voilà. Fallait que je libère plus de place. Où êtes-vous passé, hein? Je sais que vous êtes là, tout près. Merde. Alors c'est ici que vous cachiez. Donc je suppose qu'il va nous la remettre encore un coup, ça va être en trois phases. Oui! C'est l'enfer qui viendra à vous. Il les a tous.
tous eu. Le monsieur est un petit peu vénère. Ah, il y a des pots. J'étais obligé en fait, faut penser aux torches également, c'est pour ça que... Ok, non, on continue à fuir, vous allez voir, c'est rigolo. Mais non, mais il va pas te brûler les niches. En fait, comme j'ai pas choisi la discrétion du lance-pierre... Vous allez mourir. Non. Vous allez le sentir. Fais chier, enculé. Bruit-pêlé, enculé. Il nous a repéré, là, ou... Bah, bien sûr que oui. Bah non, si, non. Oh oui, d'accord. Ah, les angles de tir sont... Comme des cafards. Yes, lui avance que c'est. Ah, il est tombé à court de fuel là. Oh, il était tellement trop lent, oui, tout à fait. Il était tellement temps qu'il crève, lui. Amicia. Arthur. Non. Oh oui, non, Arthur, non. Ce que tu dis. Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres. Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre. Il reste plus rien. Plus rien. Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On va passer à l'attaque. Contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil. Oui, je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis? Ça te dit, Hugo? Sauver maman. On va faire un... On va faire un génocide? Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Je comprends, Mélie, pas. Jusqu'à la mort. Je suis pas sûr qu'Hugo comprenne tout à fait ce que ça veut dire, jusqu'à la mort. Mais c'est pas grave. Des bisous YouTube. À la prochaine vidéo. Vite, vite!